Parfois, il arrive que, au cours de ta vie, tu te retrouves par terre. La vie t'a fauché, tu es couché par terre. Et puis, au milieu de tout ce monde que tu fréquentes, peu sont les mains qui vont venir t'attraper pour te soulever, pour te faire sortir, pour te décoller au sol. Les gens sont là quand tu es debout. Les gens t'aiment quand tu es debout, quand tu te maintiens, quand tu tombes. Parmi tous ceux que tu fréquentes là, 90% de ces personnes-là, c'est eux qui viennent te piétiner pour que tu restes encore à terre. Et souvent même, c'est ceux que tu ne fréquentes pas, ceux que tu ne connais pas, ou bien ceux que tu vois, mais tu penses que ce sont tes ennemis parce que vous ne marchez pas ensemble. Et il y a cette erreur-là que tous ont fait. Quand on ne marche pas avec quelqu'un, on a l'impression que non, c'est notre ennemi. Non, souvent, les gens ne nous veulent pas du mal. Mais ils ne marchent pas avec nous parce qu'on n'a pas la même vision des choses, on ne rentre pas dans les principes de vie. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des personnes sadiques qui viennent nous regarder en train de souffrir, en train de pleurer. Et on est étonné quand le jour où on est en train de crever, là, ce sont ces personnes-là qui viennent les premiers. Ceux avec qui on trinque, ceux avec qui on presse la plupart de notre temps, ils nous donnent des excuses. Non, je devrais être là. Je devais venir, non, je devais t'appeler, mais c'est parce que j'ai eu un souci, c'est parce que c'est eu ça. Dieu prend le temps de démasquer chacun sur cette terre ici. C'est comme ça y est. Appréciez ceux qui viennent vous soulever quand vous êtes à terre. Même si ces personnes-là ne prennent pas plaisir à boire du champagne avec vous, ne prennent pas plaisir à chauffer avec vous jusqu'au matin, appréciez quand ces personnes-là viennent vous tirer du bas vers le haut. Parce que c'est ça le vrai sens de l'amitié, c'est ça le vrai sens d'aimer quelqu'un. C'est pas ceux qui on se promène avec sur le soleil jusqu'en. Et puis dès que tu as un petit truc, la personne n'est pas là. Ou bien vice versa, quand la personne a besoin de toi, toi tu n'es pas là.